Oula coute, Mélanie Alessi Napartouk Ouvunga, je suis nutritionniste Inuk, je suis la mère d'une petite fille de 35,4 jours de gestation. L'alimentation traditionnelle dans la culture inuite, du moins, elle occupe une place importante dans le sens que, ben, comme n'importe quelle culture, c'est ce qui nourrit la maman, c'est ce qui nourrit le bébé. Mais particulièrement, étant donné que l'alimentation traditionnelle est reconnue comme avoir une très grande valeur nutritive, mais aussi une très grande valeur culturelle, une très grande valeur familiale, c'est les aliments de prédilection. Dans les cas de grossesse puis dans l'allaitement. Mais l'alimentation traditionnelle, c'est pas juste physique, c'est pas juste des vitamines, des nutriments. L'alimentation traditionnelle, c'est aussi beaucoup lié à la famille, à la culture, à des pratiques traditionnelles comme manger en famille, manger en communauté, faire des potlucks, ce qu'on appelle des makushans. Donc, c'est aussi une façon de nourrir la mère, d'accueillir le bébé. Donc, c'est plus vaste que l'alimentation physique, le fait de simplement manger. C'est vraiment lié à toute la santé holistique de la femme, qui est aussi la santé mentale, la santé psychologique, la santé spirituelle.